On sait que la Terre est ronde depuis l'Antiquité, et depuis le XVIIe siècle avec Newton, on sait que la Terre est légèrement aplatie à ses pôles. Il y a 21 km d'écart entre le rayon polaire et le rayon équatorial. Donc la Terre, si vous voulez, est un ellipsoïde aplati en quelque sorte. Cette vision de la Terre a perduré jusqu'au milieu du XXe siècle, époque à laquelle on a commencé à lancer des satellites artificiels qui ont radicalement changé notre vision de la Terre parce qu'ils ont une précision qui est de l'ordre du centimètre. Donc on a introduit ce qu'on appelle la notion de géoïde. C'est une figure idéale, c'est la figure qu'aurait la Terre si elle n'avait ni continent et que les océans recouvraient parfaitement uniformément notre planète, d'accord ? S'il n'y avait pas de marée non plus. Et on verrait que cette figure d'équilibre subit des modifications gravitationnelles et que ce géoïde se déforme en raison principalement de la convection du manteau, et donc ça aboutit à des bosses à la surface de la Terre. On a une bosse d'à peu près 100 mètres de haut du côté de l'Islande et un creux d'à peu près 100 mètres du côté de l'océan Indien. Donc la Terre, en fait, est un bien sphérique, mais une sphère patatoïde, on va dire, dans le détail.